Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente Tout est sous contrôle de Sophie Henrionnet, paru aux éditions Charleston. Donc c'est l'histoire d'Olympe qui est une mère célibataire qui vit avec sa fille adolescente très mûre pour son âge, qui est photographe culinaire spécialisée dans le dessert et qui se fait virer le jour où elle essaie de sauver la vie d'un type suicidaire qui en plus la traite de tous les noms. Donc vite trouver un recyclage pour ne pas perdre la garde de sa fille, elle va demander à son meilleur ami Hugo de lui trouver une place dans sa boîte et il est détective. Donc elle va devenir détective improvisée dans la boîte de son meilleur ami. Voilà, et en parallèle, elle devra faire avec un ex-mari extrêmement attachant et sa nouvelle femme très gentille et toute sa famille, sa mère, son père et sa grand-mère. Voilà ce que j'en ai pensé. Donc ben, le personnage, comme le roman, le tout est bourré d'humour. Extrêmement fluide, agréable à lire, c'est léger, on adore en fait rentrer dans ce petit monde où tous les personnages sont relativement proches les uns des autres. C'est très soft, mais on adore. On rigole, on a le sourire aux lèvres en permanence, l'enquête est sympathique, mais on a surtout envie de savoir ce qui va arriver comme merde, parce que c'est souvent ça à Olympe. Sa fille est un personnage également très attachant parce qu'elle est mûre, donc forcément on l'apprécie. Les amis d'Olympe, le fameux Hugo. Donc c'est vraiment une réussite sur toute la longueur. Un roman français comme on les aime. Donc n'hésitez surtout pas, plein d'humour, drôle, léger, agréable à lire. C'est Tout est sous contrôle de Sophie Henrionnet et c'est paru aux éditions Charleston. Voilà, et moi je vous dis à bientôt pour un prochain Bogeo. Bye bye.